Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'assurance. Assurance vie. Comment faire l'assurance vie? Un ami aussi fidèle. Appelons notre départ sur la terre. Celui qui m'a sauvé. Comment faire rapatrier son corps au pays? Seulement. Bon, nous allons commencer. Bonjour à vous tous. Hier, j'ai dit que je devais faire. Je ne devais pas livrer aujourd'hui, mais je suis obligée d'aller livrer parce que j'ai quand même eu les commandes. Bon, quand j'ai peu de commandes, je peux renvoyer, mais aujourd'hui, j'ai quand même. Vous voyez les commandes et je vais même emballer chez Lise. Donc, aujourd'hui, nous allons faire sur l'assurance vie, l'assurance décès. En passant, Tata Lili fait ses maisons à 55 millions, clé à main. Je vais m'en foutre, même si on va me saboter. Oui, je suis hypocrite, je suis malhonnête. Vous comprenez? Mais c'est mon argent. Nous sommes associés pour le faire. Vous comprenez? Et je n'oblige personne à acheter. Vous comprenez? C'est ma pub que je fais. Si vous voulez acheter, vous êtes libre d'acheter. Si vous voyez que c'est trop cher, vous êtes aussi libre de ne pas acheter. Village Facebook, ce n'est pas obligé. Le terrain revient à la personne, ce n'est pas Tata Lili. Vous comprenez? C'est juste pour faire que nous tous nous puissions avoir quelque chose au pays. J'ai dit 200 mètres carrés pour avoir. La campagne que vous êtes en train de faire là, je m'emballe, je n'ai même pas de dire les gros mots. Oui, je suis malhonnête, vous sentez que je suis escroc. J'ai pris votre argent. Je dis bien quiconque, tout le monde qui vend avec Tata Lili, quand tu vends un coffret, tu as 50 euros. Je déduis directement ton argent, je te remets. Ce que je vous dis, devant Dieu et les hommes, et demander à tout le monde qui travaille avec Tata Lili, je n'ai jamais pris l'argent, même quand tu ne travailles pas. Le vendredi, quand je distribue les enveloppes, je donne aussi à la personne qui n'a pas pu vendre, parce qu'on ne vend pas tous les jours. Vous comprenez? La personne qui va se placer, vous savez, Tata Lili, je suis trop pressée là. Un bouchon n'est pas possible. Ce que je fais n'est pas bien, mais c'est pas bon. Donc, ce qui fait que tout le monde qui vend, quand vous vendez un sac à main, le samedi, je fais les enveloppes. Tous ces vendeurs qui sont sur la toile peuvent vous dire, hein, même ceux qui sont dans le village Facebook, celles qui sont dans le village Facebook, quand elles vendent, elles ont leur argent. Dieu m'est témoin. Je n'ai pas à me justifier, mais je tenais à vous le dire. Quiconque vend, à peine tu vends, parfois, si tu as vendu deux coffrets, je te dis de rester avec un coffret, tu me donnes un coffret. Si tu vends, si tu as remis trois coffrets, tu as vendu deux coffrets à 160 euros. Si tu as vendu deux coffrets, je te donne l'argent de un coffret. Tata Lili est là pour aider ses soeurs, vous comprenez, non? Je suis là pour faire le business. Et pour que mon business marche, il faut que je sois honnête. Vous comprenez? Tout le monde qui vend, les gens qui sont dans le village Facebook, parmi les 13 personnes qui sont inscrites, qui m'ont déjà donné leur argent, parmi ces gens, il y a 6 personnes qui vendent avec Tata Lili. Ils ont leur argent toutes les semaines. Tous les vendredis, je fais le bilan. Le lundi, j'envoie dans les enveloppes. Donc, la personne qui va dire que Tata Lili n'a pas payé, ce n'est pas vrai. Je vous dis d'abord, tout le monde qui vend chez Tata Lili, je remets l'argent. Tous les lundis, ils ont leur argent. J'ai ici 22 personnes. Ici, dans le monde qui travaille avec moi. 22 personnes qui travaillent avec moi. Et ces 22 personnes, vous pouvez leur demander. Je remets l'argent à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire, on dit comment, un commerce parce que je vais faire quoi que ce soit. Non. Tata Lili, je travaille ici, c'est le Mi Business. Et tout le monde qui rejoint Tata Lili en conseil. Je ne cache pas où j'achète ma marchandise. Je n'ai rien à cacher. Vous comprenez? Chaque personne a ses clientes. Et je vais même faire ça pour gagner quoi? C'est que je n'aurai plus de vendeurs. Au Cameroun, j'ai 40 vendeurs et vendeuses. Donc, si j'étais malhonnête,
c'est qu'ils sont déjà tous partis. Quelqu'un ne peut pas mettre son mur, faire la pub, aller dans les réunions, vendre les sacs alors que je ne paye pas. Même quand tu n'as pas vendu, si c'est que tu es une bonne vendeuse, la semaine où c'est dur, je paye toujours. Je mets toujours quelque chose dans ton enveloppe, je t'envoie. C'est comme ça. Je redis, j'ai une caisse noire pour les vendeuses. Quand tu vends, j'enlève toujours quelque chose, je mets dans cette caisse. La semaine que tu n'as pas vendu, je prends ça, je mets. Je vais vous dire comment je fonctionne. Si le sac coûte par exemple 30 euros, je te dis de vendre à 50 euros. Dans les 50 euros, je t'enlève 10 euros. Je prends 5 euros, je mets dans la caisse. Quand tu n'as pas vendu, à chaque sac vendu, j'enlève 5 euros, je mets dans une caisse. Quand tu n'as pas vendu, je ne te remets pas. Quand tu n'as pas vendu, sauf celle qui vendait les laits de toilette, si je t'ai donné 3 coffrets, tu as vendu tous les 3 coffrets, tu reprends les 160 euros, un coffret. Donc tu me vends 2 coffrets, un coffret c'est pour toi, 160 euros. Si vraiment j'ai déjà mangé l'argent d'une personne, je remets ça entre les mains du Seigneur. Vous comprenez? Je n'ai jamais mangé. Je dis bien que même quand vous ne vendez pas, je vous paye. Vous-même, vous pouvez le dire. Même quand vous ne vendez pas, vous êtes payé. Voilà. Donc, je voulais parler aujourd'hui de l'assurance vie. Et je commence d'abord par parler du business. Vous savez, quand vous, mes chers enfants, vous qui commencez dans le business, vous m'avez dit, Tata Lili, c'est trop dur, on a peur de Facebook. Quand vous connaissez ce que c'est que l'homme et la femme camerounaise, surtout la femme camerounaise, elles vont vous détruire. Elles vont faire les campagnes pour montrer que vous êtes malhonnête. Et ce sont aussi des gens qui n'ont pas une bonne foi qui vont accepter. Parce que dès lors que tu vends, tu ne forces personne. Une personne malhonnête, c'est une personne quoi? Tu donnes ton argent, elle finit de manger, elle ne te livre pas. Je ne prends l'argent de personne pour faire le commerce. Vous comprenez, non? C'est mon commerce que je donne aux gens. Les gens qui viennent pour faire le commerce chez moi, c'est mon commerce que je leur donne. Je n'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un pour dire que donne-moi l'argent, tu fais mon commerce. Non. Il n'y a même pas de... On a tous appelé ça souvent comment? Une caution. Il n'y a même pas les cautions chez Tata Lili. Oui, j'accepte, je suis malhonnête, je suis escroc. Mais vous qui m'insultez escroc, posez-vous la question que j'ai escroqué qui? Je vous le dis encore, devant vous et Dieu. Même celles qui ne vendent pas, à la fin de la semaine, je mets quelque chose. On appelle ça enveloppe du soutien. Pour qu'elles ne restent pas isolées, que ouais, ma grand-mère, j'ai forcé parce que je connais leur valeur de frappe, je connais leur façon de vendre. Donc ce qui fait que je ne peux pas leur abandonner parce qu'elles n'ont pas vendu. Non. J'ai une caisse noire pour toutes mes vendeuses. C'est qu'à partir de lundi, j'aurai 32 vendeuses dans tout le monde entier. Si j'étais malhonnête, je n'allais pas avoir ce nombre-là. Vous comprenez? J'ai des vendeuses privées comme dans les machins. Beaucoup ont peur de s'afficher sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être lynchées. D'être appelées escrocs. Moi, si j'ai escroqué quelqu'un, que la personne aille me porter plainte. Parce que je n'ai jamais pris ni la caution d'une personne. Mais mes chers enfants, vendez, n'ayez pas peur. On va, vous savez, le noir, s'il ne te traite pas de secteur, il va te traiter d'escroc. Ils vont chercher à vous déstabiliser. Mais si tu fais ton chiffre d'affaires par jour, tu t'en tapes. Et je vais vous dire aussi, mes vendeuses, ne répondez à personne. Laissez qu'on vous traite de tout. C'est la fin qui compte, vous comprenez? Nous avons tous une fin. Moi, j'ai dit et je redis, je n'ai jamais manqué de respect à une personne sur la toile. La seule chose que je refuse, c'est d'insulter les gens qui ne m'ont rien fait. Même s'ils m'ont même fait, vous me suivez depuis. Même si quelqu'un m'insulte, je ne vais jamais venir dire que oui, je vais te faire. Non, ce n'est pas mon vocabulaire. Je n'ai jamais manqué de respect à une personne sur la toile. Je suis sur la toile depuis 11 ans. J'ai dit 11 ans sur la toile. Vous comprenez? Je vendais d'abord avant. Bien même, je faisais ma vaisselle. Je vendais les bijoux. Vous comprenez? Donc, il y a cela 3 ans que j'ai commencé à vendre. Et mes ventes n'ont jamais eu quelque chose de mal. Je me suis dit que bon, c'est Facebook. On va tous maintenant ajouter nos ventes en se mettant devant. Vous comprenez? J'ai toujours vendu. Mais je vais vous dire ici quelque chose. Ça fait un mois, mes ventes ont chuté, sauf les sacs, sauf ma vaisselle. Vous comprenez? Les laits ont chuté, chute libre. Tout le monde qui me suit depuis 2 ans, vous avez vu quand je mettais les coffrets de lait derrière, non? Voilà.
Donc, c'est pour vous dire que ceux qui viennent dire que oui, Tata Lily a fait ceci, Tata Lily a fait cela. Je suis une femme qui fait le commerce. Je suis une femme qui a la main au cœur. Je n'ai pas assez, mais les gens qui travaillent avec moi sont heureux et heureuses. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, mes chers enfants, on va vous traiter de tout. Regardez comment on me traite d'escroc. Je n'ai jamais pris l'argent d'une personne. Je n'ai jamais pris l'argent d'une personne. Parmi toutes ces femmes qui vendent et celles qui sont ajoutées cette semaine, celles qui ont commencé à vendre cette semaine, je n'ai jamais pris l'argent d'une personne. Et il y a les autres, quand ils vendent, je suis obligé de le dire ici, quand elles vendent, elles me disent, Tata Lily, voilà, j'ai eu tel problème, je dis, utilise. Tata Lily, j'ai un cas au pays, je dis, utilise. Vous comprenez? Mais, quand je vois des gens disent escroc, escroc veut dire que c'est une personne qui a pris l'argent d'une personne et n'a pas remis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui vendent mes coffrets et ne me donnent pas l'argent. Vous comprenez? Ils me disent, je vais te donner après. Je n'ai jamais touché l'argent d'une personne. Et au moment où une personne me remet son argent, je renvoie. D'autres envoient les Western Union avec Elise. Dès qu'on donne, je dis Elise enlève. Maintenant, c'est même Elise qui leur donne ça. C'est Elise qui les remet. Elise Abomos, de la porte de Briancourt. Parce que Tata Lily, moi, je suis occupée avec mes papiers du fret et mes livraisons. Donc, c'est Elise qui prend l'argent. C'est Elise qui va commencer à payer d'ici le lundi. Si je donne l'argent. Et celles qui veulent être déclarées, je dis encore. Toutes les personnes qui travaillent Tata Lily, qui veulent être déclarées, venez, je vais vous déclarer. Parce que la société d'être à Bomo est rattachée à la société Lacunelle. Et j'ai un contemple pour ça. C'est pour ça que je paie la franchise quand j'envoie un colis. Vous comprenez? Donc, celles qui veulent être déclarées, moi, je les déclare. Vous comprenez? Je les déclare. Mais il faut vendre parce que si je te déclare, tu vas payer à la fin du mois. Je peux pas les gars qui font ma vaisselle, hein, parfois à la fin de l'année, je paye facilement 4000 euros. Hein, qu'on me dit de payer. Comme tu payes au machin là. Pour les employés, je paye en dehors de leur salaire. On les paye. Tata Lily a les salariés légalisés et payés. Légalisés par la société. Et payés par la société. Vous comprenez? Donc, moi, je vais dire aux Camerounais, aux Camerounaises, qui dit escroc, dit quelqu'un qui t'a escroqué. Mais Tata Lily n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Bon, vous allez insulter, c'est comme ça. Mais je vais vous dire encore, on ne va jamais nous déstabiliser. Je fais mon commerce depuis mon jeune âge. Vous comprenez? Je ne vais jamais lâcher mon commerce. Et je ne peux pas quitter Facebook pour faire plaisir aux gens. Vous comprenez? Bon, maintenant, nous allons parler de l'assurance vie. Mes chères sœurs, quand nous arrivons ici, c'est un pays où tout est libre. Vous pouvez vivre ici sans travailler si vous avez des enfants. Vous arrivez ici, on vous donne ce qu'on appelle la CMU. Avant d'avoir la CMU. La CMU, c'est quoi? Vous avez le transport à moitié prix. Il y a des choses que vous ne payez pas à l'hôpital. Vous ne payez pas la consultation. Vous ne payez pas. C'est bien beau. Mais pensons qu'il y a une fin en tout. Vous comprenez? Nous allons partir un jour. Nous sommes venus, nous sommes de passage sur la terre. Vous comprenez, non? Nous sommes de passage sur la terre. Quand tu arrives dans un pays qui t'accueille, vous comprenez, non? Quand vous êtes sur... Je serai obligé de bloquer celui-ci là. Je vais te bloquer, Brianna. Je vais te bloquer. Si tu as envie de m'insulter, va m'insulter ailleurs, pas ici. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais vous dire, quand vous arrivez ici, prenez une assurance. Vous comprenez? Allez dans une assurance. La CMU ne protège pas quelqu'un. Les assurances à la Matmut, je vous dis bien, les assurances à la Matmut commencent de 4 euros à 22 euros. 4 euros à 22 euros. Moi, je connais la Matmut. Les autres, je ne connais pas. Cette assurance... Même si tu as la mutuelle, prends cette assurance. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont à l'étranger. Ayez pitié de vos familles restées en Afrique. Vos enfants qui sont ici. Ça ne sert à rien de dire je suis en France, je suis en France, je suis en France, je suis en France. Tu montres que tu es en France, tu es en France. Juste quand tu meurs, on commence à dire aux gens de cotiser pour toi. Alors que quand tu arrives dans un pays,
prends les renseignements. Comment tu vas être rapatrié? Vous arrivez là où le blanc a le caveau familial. Vous n'arrivez pas à imiter. Tu pars dans ton assurance. Tu dis que tu veux l'assurance tout risque. Je vais aller me renseigner. Comment on appelle tous ces noms d'assurance? Je vais vous mettre ça. Moi, je suis à la Matmut. Il y a les assurances de 2 euros. Quand tu meurs, on débloque 10 000 euros dans les 48 heures qui suivent ton décès. Dès qu'on amène ça, vous comprenez? Mavro, bonjour ma chérie. Dès que tu meurs, on prend le certificat de décès, on amène à ton assurance. Le lendemain, on débloque 10 000 euros. Il y a aussi des assurances. Ces assurances, ce sont comment? On donne ça aux pompes funèbres. Tu peux aller souscrire ton assurance aux pompes funèbres. Pourquoi vous avez peur de la mort? Tata Lili, moi je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai déjà fait ce que j'ai demandé à Dieu sur la terre. J'ai demandé à Dieu de me donner la force d'aller voir les orphelins, les personnes âgées. Et je le fais déjà. La force d'aider certaines personnes, oui, j'ai adoré les papiers à 4 personnes en France. Depuis que je suis mariée, vous comprenez? Et je suis fière de moi. Donner les papiers aux gens. J'ai fait venir 3 personnes. Voilà la 5e personne que je vais faire venir. Qui aujourd'hui nourrissent leur famille. C'est ma fierté à moi. Donc maintenant, même si je meurs, mon fils serait fier de moi. Vous comprenez? Fatima, bonjour. Mon fils serait très fier de moi. Il aurait un parcours de moi. J'ai vu quelqu'un me dire qu'une vieille femme qui vient dans Facebook, vous n'avez pas honte de vos enfants. Mon enfant, quand il va visionner toutes mes vidéos et mes petits-enfants, ils seront fiers de voir mes vidéos. Parce que moi, je n'ai pas sali l'image. Avant de me placer devant vous, je pense à mes petits-enfants. Je veux que quand ils vont voir mes vidéos d'ici 40 ans, 50 ans, qu'ils voient qu'ils avaient une grand-mère qui se respectait. Vous comprenez? Je ne vais jamais insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Jamais. Je ne vais jamais vouloir me faire de l'argent en insultant ou en dénigrant mes gens. Vous comprenez? Donc, prenez une assurance. Il y a, vous partez au marché, aux pompes funèbres. Vous partez aux pompes funèbres. Vous dites aux pompes funèbres que voilà, je vais faire une assurance obstacle. Obstacle, voilà. C'est dans les 10 euros par 10 euros ou 12 euros. Je ne sais plus combien moi je me suis inscrit. Hein. Ça fait quand même, ça fait 9 ans que moi je me suis inscrit. Hein. Moi, j'ai pris plusieurs assurances. Et ces assurances-là me reviennent à 50 euros. Vous comprenez? Ces assurances-là me reviennent à 50 euros. Il y a les assurances complémentaires retraite. Au cas où je pars en retraite. Là, maintenant, j'ai arrêté de travailler parce qu'il y avait eu un souci au travail. Mais les assurances me payent. Hein. On me paye. J'ai souscrit les assurances pour ça. Même si tu touches 1250 euros, enlève 50 euros pour souscrire plusieurs assurances. Ces assurances-là, si tu tombes malade, après 3 mois, prennent la relève de votre salaire, du complément de salaire. Ne venez pas rester seulement pour boire, acheter les marques, faire la grande vie. Moi, ce que je vous montre sur les réseaux sociaux, c'est ce que je suis en train de faire. Sortir tous les jours pour travailler. C'est ça une vraie personne. Vous comprenez? Tu mangeras la sueur de ton front. Si je dis que bon, je vais me reposer, bientôt là, je suis une grand-mère. Donc, il faut que je m'apprête à me reposer. Vous comprenez? Aller dans les pompes funèbres. Nous allons tous mourir tôt ou tard. Nous allons tous mourir. Après tes obsèques. Les obsèques les plus nickels, ce sont les obsèques des pompes funèbres. Vous arrivez là-bas, il y a peut-être 10 euros qu'ils vont vous enlever tous les mois. Le jour que vous mourrez, votre assurance, votre carte vitale, il y a déjà l'inscription là-dessus. On va juste mettre, on va voir que vous avez contracté une assurance décès. On va appeler les pompes funèbres. Les pompes funèbres vont s'occuper de vous jusqu'à l'enterrement au pays. Je vous dis, jusqu'à l'enterrement au pays. Ils vont prendre le corps, ils vont nettoyer, ils vont s'en charger d'appeler la famille. Parce que quand vous partez vous inscrire, ils vous demandent les noms de vos gens, de ton père, de ta mère, même ceux qui sont au Cameroun. Vous avez la liste de 40 noms que vous devez écrire. Si vous voulez, vous mettez 100 euros. Si vous voulez, vous mettez le nombre de personnes. Dès votre décès, ils ouvrent votre cahier, ils appellent tous ces gens, ils préviennent ces gens et ils leur donnent le programme
quand est-ce le corps va être levé, quand est-ce le corps va aller à la morgue, se relever à la morgue, quand est-ce le corps va arriver au machin là, à l'aéroport Charles de Gaulle ou dans vos aéroports là-bas. Ils vous disent ceci, quand est-ce qui va accompagner le corps ici en Europe? Les pompes funèbres. Vous comprenez? Donc, inscrivez-vous dans les assurances décès. Ce n'est pas cher. Nous voyons, j'ai vu quelqu'un me dire que, maison à 55 millions cher. Il y a des gens qui font plus de 10 soirées l'année, la chaise à 4000 euros. Ne comptez pas ce qu'il va les donner. Ça ne dépasse pas une maison, hein? Voilà. Donc, ce qui fait que, au lieu que vous cherchez comment Tata Lili estroque les gens, faites vos assurances décès. Faites vos assurances rapatriement. Et cet argent, quand il vous amène au pays, il vous amène au pays, ils sortent le reste d'argent. Parce qu'il y a une enveloppe qu'ils vont remettre à la famille. Ils savent que nous, on a les veillés. Ils vont envoyer le corps avec une personne. Ils vont vous dire le jour qu'il y aurait l'enterrement. Ils vont envoyer un représentant qui va aller jusqu'à mettre le corps dans la tombe. Remettre l'enveloppe à la famille. Vous comprenez? Allez vous inscrire dans les machins. Le noir oublie toujours qu'il va mourir. C'est pour ça que vous passez la vie à fouiller la vie des autres. Vous passez la vie à vous mettre sur les réseaux sociaux pour dénigrer vos soeurs. Parce que vous oubliez que vous allez mourir. Vous passez le temps à chercher à voir l'argent en insultant vos soeurs sur les réseaux sociaux. Vous oubliez que vous allez partir un jour. Mes chères soeurs, la vie elle écoute. Nous avons tous un petit temps pour vivre sur la terre. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais me permettre d'insulter une de mes semblables. Je ne pourrai jamais, parce qu'il ne faut pas que le jour de ma mort, je commence à regretter. Surtout quand tu es même une inconnue. Je n'ai jamais manqué de respect à une personne. Allez faire vos assurances décès. Allez faire vos assurances vie. Ce n'est pas cher. Avec 20 euros par mois, tu as toutes tes assurances. Tu es sûr d'être enterré dignement. Tu es sûr d'être enterré dignement sans qu'une personne ne sorte rien. Si vous qui avez peur de la mort, parce qu'en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui a tué quelqu'un. Moi, personne ne va jamais me tuer. Le jour que le Seigneur va m'appeler, je vais partir parce que je ne dois rien à personne. Vous comprenez? J'ai payé mes dettes sur terre. Je suis comme tout le monde. J'ai mes bons et mes défauts. Mais je suis prête à partir. Vous comprenez? Je m'apprête tous les jours. Et je dis à mon enfant, si quelque chose m'arrive, n'accuse personne. J'ai déjà apprêté tout. On va t'appeler. On va te dire, tu vas organiser tout et tu vas rendre compte. Pourquoi vous avez peur de la mort? Le blanc n'a pas peur de la mort. Le blanc a déjà même créé son caveau. Il aime déjà des caveaux. Mais vous arrivez même là où on doit beaucoup apprendre. Vous continuez toujours à avoir peur de la mort. Allez vous inscrire. Il y a les pompes funèbres, je vous ai dit. Vous partez seulement là-bas. Ou bien si vous avez même peur d'arriver chez eux, appelez-les. Ils vont prendre rendez-vous avec vous. Vous allez leur donner le nom de votre village. Là où vous voulez être enterré. Même si vous voulez être enterré en Chine, vous donnez seulement la place où vous voulez être enterré. Vous allez demander les gens, si vous voulez ici que deux personnes vous accompagnent. Ils vont vous faire d'abord acheter deux billets d'avion. Ces billets d'avion seront mis dans votre dossier. Si vous voulez que ces trois personnes qui vous accompagnent, ils vont vous faire acheter trois billets d'avion. Mais vous n'achetez pas les billets d'avion là du coup. Vous allez acheter ça, ils vont vous dire que bon, imaginez-vous que le billet d'avion coûte 1000 euros. Ils vont commencer à vous enlever ça un peu, jusqu'à ce que vous allez payer ces trois billets d'avion. Vous comprenez? Et maintenant, ils vont commencer à vous couper l'assurance. Ils vont commencer à vous couper l'assurance. Vous comprenez? C'est comme ça. Apprêtez votre départ sur la terre. On apprête une arrivée avec la layette, la danse, la nourriture. On apprête aussi un départ avec la danse et la nourriture. N'apprêtez pas votre départ en faisant souffrir vos parents au pays. Tu étais ici, tu vivais bien. Maintenant, tu meurs, il faut que ta mère commence à demander l'argent partout. On commence à commander l'argent alors que tu es déjà ici. Après avoir fait un an dans une assurance, vous pouvez déjà, on peut déjà cotiser pour vous. Arrêtez de continuer à faire comme si on était au Cameroun. Même au Cameroun, quand vous construisez vos maisons, moi, Tata Lili est en train de construire. Moi, mes maisons sont assurées avec AXA. J'ai assuré mes maisons avec AXA. Même la simple maison que j'ai construite à Yaoundé, c'est assuré par AXA.
je paye 50 000 l'année. Si ma maison prend feu, une fois là, on avait braqué la maison, on a cassé. On avait cassé parce qu'il n'y avait personne. Mon fils avait déménagé parce qu'il ne voulait plus rester dans ce quartier. Les gens ont cassé. AXA a refait toute ma maison. Vous comprenez? Avant de mettre à louer. Assurez toutes vos choses. Pourquoi nous ne voulons pas évoluer? Pourquoi nous ne voulons pas changer? Nous voulons seulement faire la sorcellerie, dénigrer et détruire. On ne salit pas ce qui est propre. Vous comprenez? Vous allez m'insulter, lyncher. Ça ne peut pas changer le cours de vie de Tata Lily. Mais au contraire, ça va changer votre vie. Vous comprenez? Vous aurez une étiquette que vous n'avez jamais eue. Vous aurez le doutou de ma souffrance sur vous. Et vous allez même savoir que vous avez fait mal. Parce que car la vieillesse vient très vite. On va beaucoup couper l'âge. Nous allons couper l'âge, mais sachons que ça nous rattrape toujours. Vous comprenez, non? Assurez vos arrières. Allez dès à présent. Dans les assurances, dans vos assurances, même la poste, ceux qui sont à la poste a une assurance, on appelle ça assurance, c'est 10 euros. Si par hasard tu tombes malade et que tu ne peux plus travailler, ils vous payent votre salaire. Si la pathologie que vous avez eue vous empêche de refaire votre métier, ils vous payent le salaire intégral. C'est 10 euros. Dans mon assurance, j'ai pris 4 assurances qui me reviennent à 52 euros. Dès que je ferme mes yeux, on va d'abord compter mon assurance complémentaire. On va poser sur la table. On va d'abord compter toutes mes assurances. Ils vont d'abord prendre, ils vont mettre dans l'enveloppe. Ils vont prendre l'assurance rapatriement, ils vont mettre là. Ils vont prendre l'assurance décès, ils vont mettre. Ils vont remettre aux gens que j'ai décidé de donner. Donc, n'ayez pas peur de mourir. Dès lors que vous n'avez même pas peur d'insulter quelqu'un, je ne vois pas pourquoi vous avez peur de mourir. Parce que quelqu'un qui insulte les gens innocemment est en train de porter la malchance. Tu es en train de porter la poisse. Et je ne peux pas vous mentir. On dit que la fatigue, vous avez bien vu le regard de Tata Lily. Non. C'est que je n'aime pas. J'ai porté mes lunettes toute ma vie. Quand on m'a opéré les yeux, je me suis vu un plaisir de ne pas porter les lunettes. J'avais porté tous les noms quand j'étais petite. Vous savez, au Cameroun, c'est rare de voir les gens qui portent les lunettes. Dès qu'on m'opérait, moi, quand je reste sans lunettes, je suis contente. Et du coup, mes yeux deviennent encore, comme j'ai d'abord les petits yeux, c'est pour ça que vous avez tendance que j'ai les siennes, non? Tata Lily, je dors bien. Je travaille jusqu'à 2h du matin et je me réveille à 11h. Vous comprenez? Je dors jusqu'à 11h. Je me réveille, d'abord mes colis sont déjà faits, comme là. Je me réveille et je commence mon boulot. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille à la maison. Donc, Tata Lily ne fait pas le ménage chez elle, elle ne travaille pas. Comment elle va être salie? Je suis toujours propre. Je suis comme la lumière de Dieu. Donc, assurez vos arrières. Assurez vos arrières. On en a marre de voir toujours des gens, oui, aider la famille à repatrier le corps au pays, alors que l'assurance coûte 6 euros. Je vous dis 6 euros. Ne venez pas sur les réseaux sociaux, regardez qui est escroqué, qui est malade. Il y a même une qui a dit que j'étais vomi. Maman, tu es mon mari, tu es mon fils, tu es ma famille. Maman, si tu ne me suis même pas, ça me ferait plaisir parce que les gens qui me suivent sont les gens qui veulent évoluer. Les gens qui me suivent sont les gens qui veulent écouter les conseils. Les gens qui me suivent sont les gens qui veulent faire un commerce. Et je ne les cache pas. Cette semaine seulement, j'ai déjà eu combien? Plus de 18 personnes que j'ai conseillées. Je suis même déjà devenue assistante sociale. Donc, les gens qui suivent Tata Lily, ce sont les gens qui ont des valeurs. Les gens qui suivent Tata Lily sont des gens qui veulent connaître, qui veulent évoluer. Ce ne sont pas les gens qui sont dans la négativité. Donc, si tu sais que tu es dans la négativité, ne viens plus jamais suivre Tata Lily. Quand tu sais que tu es négatif, ne suis plus Tata Lily. Parce que tu n'aurais que des commentaires négatifs. Tu as des ondes négatives. Tu propages des ondes négatives. Même si tu dis quoi, Tata Lily ne changera pas. Allez faire vos assurances vie. Allez faire vos assurances vie. Il y a 3 qualités d'assurance vie. Et même en passant, vous qui travaillez, nous qui arrivons ici en Europe, on arrive, on a déjà 20 ans, on a déjà 25, on a 28, on a 30 ans, on a 40. Prenez les assurances complémentaires. Prenez les assurances complémentaires. Ce n'est pas cher. Ça doit être dans les 5 euros par mois. 5 à 10 euros par mois. Le jour que tu es fatigué, tu peux prendre ta retraite anticipée. Les assurances complémentaires vont ajouter dans ton argent. Parce qu'une personne qui commence à travailler ici en Europe,
à 35 ans. Tu vas travailler combien d'années? Hein? Tu vas travailler combien d'années? Prenez les assurances complémentaires. Dans votre salaire, dites-vous que j'ai 75 euros qui va dans mon assurance santé, assurance décès, assurance complémentaire, tous les mois. Tu peux dormir tranquille, tu sais que tu ne vas jamais embêter quelqu'un. Parce que la mort, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ni le temps, ni l'heure, ni le moment. C'est pour ça que je vous dis souvent que arrêtez les injures. Si tu finis d'insulter quelqu'un le matin, le soir, prime l'accident, tu meurs. Tu vas partir avec quoi? Les gens vont que mettre ce que tu as insulté le matin. Arrangez vos vies. C'est plus simple de mourir sachant que j'ai déjà fait du bien aux gens. Tata Lili n'a pas assez pour donner les dons, pour vous montrer qui je suis, que je suis arrivé. Je vends tous les jours. Je donne mon énergie jusqu'à ce que Tata Lili va finir de construire. Et après, je vais arrêter. Donnez-vous un temps à tout. Donnez-vous un temps à tout. Un temps pour aller en boîte, un temps pour profiter de ses enfants, un temps pour travailler, un temps pour arrêter savourer, un temps pour être sur les réseaux sociaux, un temps pour savourer hors réseaux sociaux. Donnez-vous un temps à tout. Si vous ne vous donnez pas, la nature va s'en charger de vous. Le destin va s'en charger. Vous comprenez, non? Et ça ne serait pas bien à voir. Vous comprenez? On va sauf que mettre les assiettes. Et ce serait la honte de vos enfants. Une femme qui aime ses enfants contracte les assurances. Vous comprenez? Ces assurances-là, on va appeler dès que tu fermes les yeux. Bam, les assurances complémentaires, d'abord, ce sont des qui entrent en jeu. Vous comprenez? Dès que tu meurs, si tu n'as pas pu profiter, les assurances complémentaires entrent d'abord en jeu. D'abord, c'est écrit dans vos cartes de... On dit comment? Dans la carte mutuelle que vous avez là. C'est écrit là-dedans. Quand vous mourrez, on met la carte, toutes vos informations, toutes les assurances que vous avez contractées sortent. On les appelle, on les envoie tous les emails, on les appelle. L'hôpital, on envoie ça au service mortuaire de l'hôpital. Ils s'en chargent parce qu'ils sont aussi payés. Quand vous travaillez là, vous comprenez, non, mes soeurs, quand vous prenez l'assurance, les écoutes, la personne qui va vous appeler quand vous allez mourir à l'hôpital, son salaire est coupé dans votre salaire. Vous comprenez? On va envoyer ça aux pompes funèbres. Les pompes funèbres vont prendre les assurances là. Ils vont les appeler. Et maintenant, ils vont ouvrir le cahier que vous avez souscrit. Et dans ce cahier-là, ils vont commencer à appeler tous les membres, même si c'est au Cameroun, même si c'est aux États-Unis, même si c'est en Chine. Ils vont appeler tous les noms. Parce que vous mettez le nom avec le numéro de téléphone. Le nom avec le numéro de téléphone. Au cas où je décède, on ne sait jamais. Et chaque année, vous allez souvent partir changer les numéros de téléphone et le nom. Vous comprenez? Chaque année, vous changez, vous faites, on appelle ça comment, le bilan. Donc, on regarde qui a changé le numéro de téléphone, qui n'a pas changé. Vous donnez, même si c'est en Bandjoko, même si c'est en Côte d'Ivoire, vous mettez tous les numéros de téléphone. Il y a un cahier, je crois qu'il y a 100 noms. Hein, 100 noms. Donc, ces 100 noms-là, ils vont les appeler tous pour dire que voilà, on a le regret de vous annoncer le décès de tel. Le programme, et elle avait dit que tel doit faire le programme. Vous donnez les gens qui doivent faire le programme. Vous faites le programme, vous les envoyez. Et maintenant, ils vont vous dire l'heure où il y aurait la levée. Eux-mêmes, ils s'occupent de la levée. Hein. Ils s'occupent de. Tu leur donnes même la musique quand tu veux qu'on mette le jour qu'on va faire ta levée. Ils vont mettre la musique. Tu leur dis même que je veux qu'on me change les habits. Et attendez, hein. Ils changent même les habits. Hein. Ils changent même les habits des morts. Tu dis que moi, chaque fois qu'on va venir me rendre visite, j'aime ces habits-ci. Tu donnes tes habits. Parce qu'à la morgue, là-bas, on nettoie les corps tous les deux jours. Surtout quand tu sais qu'il y a un visiteur qui va venir, on lave le corps, on l'habille. On le change les habits. On met la musique, on te fait voir ton corps. Vous comprenez? Tu es toujours comme tu vis, au vivant. Ta vie, comme moi. Père, moi, j'ai donné. Bon, je jeûne, c'est pour ça que ma voix est partie. Quand on jeûne, c'est tout comme ça. Donc du coup, c'est ça qu'on va mettre. J'ai donné les musiques qu'on va mettre le jour que moi je partirai.
Donc vous pouvez même donner vos musiques. À chaque fois que quelqu'un va arriver, on va mettre la musique est partie. Une telle, il va partir. Moi, je serai très content. Parce que je n'ai pas offensé quelqu'un sur la terre. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais offensé. Et les gens que j'ai offensés, je demande vite les excuses quand je t'offense. Tout le monde qui m'excuse sur les réseaux sociaux, je ne les connais pas. Il y a une personne, je l'ai vue une seule fois. Je ne l'ai jamais offensé. Jamais. Si on m'insulte dans les réseaux sociaux parce qu'on m'a demandé d'aller défendre une personne, je n'ai pas défendu. C'est la mort là que j'ai sur les réseaux sociaux. Comme quelques maintenant d'escrocs. Mes maisons sont à 55 millions. Clé à main. À prendre ou à laisser. Je ne vous demande pas votre argent. Vous partez voir, vous me donnez l'argent. Mais apprêtez vos décès. Apprenez à apprêter votre départ. C'est comme ça. C'est ça que je voulais vous faire aujourd'hui. Vous dire que je ne veux plus voir les gens qui ont dit que même si vous êtes au RSA, faites marcher votre assurance. On va verser l'argent à vos parents. Vous allez dire que voilà, attendez, vous allez oublier cette partie-là. Quand vous partez, quand vous appelez les pompes funèbres chez vous, vous allez leur dire que voilà, après mon enterrement, l'argent qui va rester, parce qu'ils ont une enveloppe qui donne, je crois que c'est 3000 euros qu'on envoie au pays, à la personne, à deux personnes, parce qu'ils exigent deux personnes que vous allez choisir au pays. Ils exigent deux personnes. Ils vont donner 3000 euros parce que ce sont eux qui vont payer les frais de tombe et les frais des gens qui vont enterrer. Ce sont eux-mêmes. Eux-mêmes, ils accompagnent le corps. Ils accompagnent le corps. Si vous voulez encore garder pour faire lever enterrement, ils envoient. Vous leur dites le jour qu'ils vont arriver au Cameroun. Vous comprenez? Ils payent la tombe. Ils payent tout. Ils vous enterrent. Ils mettent les gerbes de fleurs que vous avez décidées et ils partent. Les pompes funèbres. Donc vous n'avez pas besoin de chercher qui va vous enterrer. Non. Ils partent ici. Ils sont deux. Délégations de deux. Vous leur donnez la localisation de votre village. Vous donnez tout. Là où vous voulez être enterré. Il y a une dame ici qui est montée là dernièrement. Elle est en cours. Elle avait dit qu'elle voulait trois personnes. Il y a trois personnes ici. Les Français qui sont partis à son enterrement. Ils sont arrivés. Elle avait dit où prendre les gens. Ils sont partis. On a creusé la tombe. Ils ont tout fait ce qu'elle a demandé. Le reste, ils ont donné à la famille. Et elle donne le nom. Elle dit, le reste, donnez tant à ma mère, tant à mon père, tant à mes frères. Ils vous font asseoir. Parce que quand ils descendent là-bas, ils ont la police. Hein. Ils ne descendent jamais seuls, même s'il y a l'ordre ou pas. Quand ils descendent, avant de descendre, ils partent à l'ambassade de France, ils signalent. L'ambassade de France va appeler la gendarmerie ou la police de chez toi pour les escorter jusqu'à l'enterrement. Vous comprenez? Et tout ça, ces frais-là sont dans vos frais que vous cotisez. Dans vos frais que vous allez cotiser. Donc, ça dépend de la formule que vous allez prendre. Donc, celles qui sont à la poste, allez voir votre conseiller. Parlez de lui, de votre rapatriement du corps, de là où vous allez être enterré. Quittez derrière la quête. C'est au Cameroun qu'on fait la quête parce qu'il n'y a pas les moyens de vivre là-bas. Ici, vous avez les moyens de vivre. Arrêtez de demander l'argent aux gens. À un cadavre qui demande l'argent même quand il est mort. Quand même, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Je vous dis que dans la mammouth, je crois que c'est 4 euros. Hein. Ça commence de 4 euros ou 2 euros. Si je ne me trompe pas. 2 euros à 18 euros par mois. Il y a même des assurances qu'on sort 50 000 euros. On donne. Mais vous-même, vous départagez comment vous voulez. Donc, allez-y faire vos assurances vie. Au lieu de venir chercher qui Tata Lily a escroqué, ne vous inquiétez pas de moi. N'allez pas répondre. Tata Lily n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas une escroque. Vous comprenez, non? Tout le monde qui travaille avec moi est bien. Vous comprenez? Tout le monde qui travaille avec moi est bien. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Bon, bisous à vous. Au revoir et. En France, j'ai dit que j'ai 16 ans. J'ai au maximum 15 ans. 15 ans pour rentrer chez moi. Moi, je ne vais pas faire le genre de maman qui reste ici. Hein.
Ah non, non, une grand-mère qui vient rester ici. Non, non, c'est mon fils qui va venir prendre la relève. Hein, parce qu'il vient ici quand il veut. Moi, dès que je finis, je rentre, mon fils prend la relève. Je ne vais pas rester ici. Hein. Non, 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 non. Maxi 20 ans. Je vais souvent que venir. Je pars quand il y a l'hiver. Je pars quand ça finit, je reviens. Je ne vais pas moi vivre ici. Hein. Donnez-vous une limite en tout. Hein. Ne venez pas faire comme les gens qui ont déjà fait ici 20 ans, 30 ans.